Salut à tous, c'est Frédéric de Lavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo philosophique pour vous parler de l'enseignement à la sagesse. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit hier. Petit texte qui m'a été inspiré par mes expériences, par la vie. Ce petit texte s'appelle « Enseignement ». Même si ton savoir et tes qualités sont immenses et peuvent sauver et améliorer la vie de bien des hommes, ne leur propose jamais ton aide sans qu'ils ne te la demandent. Sans désir et demande de leur part, soit ils prendront ton offre pour la demande intéressée d'un individu de faible valeur à la recherche d'une contrepartie non avouée et d'un besoin d'être reconnu et utile, soit ils penseront que ta proposition d'aide est une façon pour toi de montrer ta supériorité et de les humilier en les mettant en face de leur faiblesse et de leur dépendance. Si ton savoir et tes qualités sont immenses, fais juste en sorte de briller pour attirer à toi ceux qui sont prêts à être aidés et sortis des ténèbres. Le sage ne va pas au-devant des hommes pour prêcher la bonne parole, la vérité ou le salut. Il fait juste en sorte de se placer sur le chemin de ceux qui cherchent et veulent comprendre pour trouver le salut. Ainsi, les hommes ne peuvent entendre que lorsqu'ils désirent écouter. Et c'est un manque de sagesse que d'enseigner à ceux qui ne désirent pas entendre. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que si vous avez de grands savoirs et si vous voulez aider les hommes, n'aidez pas les hommes qui ne vous demandent pas d'aide. Aider ceux qui veulent être aidés, ceux qui sont prêts à accueillir l'enseignement. Autrement, vous prêcherez dans le désert. C'était Fred de Lavier, je vous aime et paix sur terre.